Eh bien, salut tout le monde, c'est Kames, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Et donc, on est le 27 décembre, il est 12h. Le PSN est rétabli pour la plupart. Moi, pour ma part, il n'est pas rétabli. Donc, voilà, hein, certains ça ne marche pas, c'est normal. J'ai la solution. Il suffit d'aller dans votre console PlayStation 4. Hein, ça marche pour PS3 et tout, je pense. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans réseau, vous allez dans configuration internet. Donc, voilà, vous changez la config. Vous mettez configuration manuelle et vous allez mettre tout automatique, l'adresse IP, etc. Vous allez mettre votre code livebox, etc. Et à un moment, ils vont vous demander l'UMT. Donc l'UMT, vous allez le changer. Vous allez mettre au lieu de 1500, vous allez mettre 1473. Et là, par magie, ça va marcher. Vous allez voir que ça va vous connecter en moins de 10 secondes. Donc voilà, c'est 100% de réussite. Alors dépêchez-vous à le faire parce que je ne pense pas. Dépêchez-vous à le faire, je pense que ça va toujours marcher cette technique, mais bon, je sais pas si le PSN sera vraiment remis sans cette technique, mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à y aller, faites cette technique, ça marche à 100% sûr, que ce soit dans n'importe quel pays. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, enfin on peut profiter de GTA Online, mais par contre, on a perdu la neige, donc ça fait bien chier. J'ai pas eu ma cagoule pour ma part, je ne crois pas, mais bon, le principal c'est qu'on peut se connecter le 27 décembre, donc voilà. Pour ceux qui ça marche pas, le PSN, n'hésitez pas à faire cette technique, ça marche à 100%. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. C'était votre KMS3, je vous laisse, ciao ciao.